que Laurent ça fait. Attention, attention, parce que là, aujourd'hui, je vous ai amené une pépite. Il vient de Paname, ok? Il s'appelle Jamil, c'est le roi des schlags. Donnez-lui tout, parce que lui, il va tout vous donner. Jamil, s'il vous plaît! Ça va, Bruxelles? Ça va, coupe la musique, ça va, vous êtes chaud? Voilà, c'est ça qu'on veut. Bon, les amis, j'ai 34 piges, j'ai pas de gonzesse et j'ai la dalle. J'accepte tout le monde. Je t'accepte même toi, frérot. Récemment, j'étais avec une foraine. Rocky, qu'elle s'appelait. Bon, elle était jolie, c'est pas le souci. Le seul truc relou avec elle, c'est quand on couche ensemble. Elle prenait toujours une voix de la fête foraine. Ça donnait ça. Allez, Jamil, on y va. C'est parti. J'envoie les premières accélérations. Les premières sensations. Récemment, les amis, j'étais avec une Américaine. Moi, je savais pas que nous, les Français, on avait une cote incroyable avec les Américaines. J'étais pas au courant parce qu'elle pense de nous qu'on est beau gosse, gentil et romantique. Elles adorent l'accent français. L'autre jour, j'étais à New York, donc je draguais des gonzesses partout dans la rue avec un accent français. Excuse me, girl. Where is the mall, Bechenchli, Jean Levi-Strauss? Yes, very cheap, hein, of course. Elles se retournaient comme ça. Oh, really? You French? It's so cute. Louis Vuitton. Yves Saint Laurent. Coco Chanel. Ah ben non, pas Coco Chanel, non. Pull&Bear, Jules, c'est Lyon Club. Un pull acheté, 3 pulls offerts. Tu connais, man. Fais du bruit, tarmac. Je me chauffe doucement. Je suis à 12% de mes capacités. Je vais tout vous donner, frérot. Écoute, frérot, j'adore voyager. Le voyage, c'est ma passion dans la vie. Récemment, j'étais au Moyen-Orient et je suis parti avec une compagnie aérienne incroyable, Qatar Airways. C'est la meilleure compagnie du monde. T'arrives dans l'avion, budget illimité, sol en marbre, écran plat, Netflix, internet, chichamante. Je peux te dire qu'on était au max, on était mieux qu'à la baraque, frérot. Tout se passait bien. Attendez, les amis, je suis à 18% de mes capacités. C'est ça que vous voulez, bordel. Non, me chauffez pas, les gars. Bordel, attends, man. Bordel, j'avais pas vu, il y a un putain de métro. C'est incroyable ce qui se passe ici. Bordel, je crois que je vais continuer à jouer là. Tu vois? Écoute, j'étais dans l'avion avec Qatar Airways, tu suis ma sœur? Et j'avais, écoute bien, tout se passait bien jusqu'au moment où le pilote de l'avion a pris le micro. Si tu comprends l'arabe, c'est cool. Si tu comprends pas l'arabe, que tu regardes BFM TV et RTL Info, c'est la panique à bord de l'appareil. L'annonce micro, ça donnait ça. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. أجيت كل عدس مع البيض وما تشان شاء الله السلام عليكم. T'sais, mais moi, je comprends les lyrics. En gros, il a balancé le menu, tu vois. Mais il y avait un gars, il comprenait rien. Il comprenait que dalle. Il était là. Oh, y a-t-il un imam dans l'avion? Putain, je peux te dire que c'était chaud. Ça va, ma sœur? 44%, ma sœur. 44%, ma sœur. Écoute. Écoute-moi bien. J'adore voyager, c'est pour ça que je suis en Belgique aujourd'hui, Bruxelles, un public incroyable. Et vous avez ici dans ce pays des artistes incroyables. Stromae, génie. Benoît Poulvorde, génie. Plastique Bertrand, génie. Ça plane pour moi. T'as pas connu, toi? T'as pas connu? Non, vu tes dents, t'as pas l'air de connaître. Tu connais rien? On t'emmerde, man. On en a marre de cette génération. Putain, ils sont là, tout le temps sur leur portable. Hein, j'adore Snapchat, j'adore Instagram. Tu me fais chier, man. Écoute, fallait pas te mettre au premier rang, mon grand. C'est ça que t'es venu chercher. Écoutez, je reviens sur la Belgique. Vous avez des artistes de fou. Il y a un rappeur belge
qui fait un buzz incroyable en France. Damso. J'aime bien, mais il est hyper trash, ce jeune homme. Faut qu'il se calme, il est là. Château de Scheim. Mais je la baiserai au calme. Damso. Et à chaque fois qu'il dit ses phases violentes, il finit par son nom, comme s'il voulait signer, tu sais. Il est là. Oh là là là, tata, 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 tata. Damso. Il rend fou, ce monsieur. Moi, personnellement, en rappeur belge, je préfère Jacques Brel. Meilleur rappeur de l'histoire. Plus fort que Biggie. Plus fort que Tupac. Tu sais, quand il est sur scène, il est possédé. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. Chauffe, Marcel. Chauffe dans le port d'Amsterdam. Il y a les marins qui boivent et qui boivent et reboivent. Écoute le flow qu'il a. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps. Qui s'offre encore le temps de se faire des détours du côté de l'amour et comme c'est charmant, une valse à quatre temps. Tu connais pas ça? Tu connais que Damso? Tu connais que Damso? Merci la Belgique, c'est un kiff! Ouais.